être très fort, plus de tous ceux qui encadrent les mamies, mais nous aussi, hein, nous aussi, ça c'est dur. Allez, on fait rentrer les super mamies candidates. Venez nous rejoindre, mesdames. Les membres du jury, c'est pareil, vous venez nous rejoindre. Ah bah oui, qu'on soit tous ensemble. Faut bosser un peu, hein. Pas rester assis. Je crois qu'on peut les applaudir. Allez, on applaudit très fort les super mamies qui sont toutes très bien. Alors, vous allez vous serrer un petit peu parce que là, il va y avoir le jury en même temps, donc ça fait plus de monde sur la scène. Hein. Allez hop, voilà. Alors, dans le jury, ils sont où, dans le jury, là? Il est où? Venez vite, mesdames. Allez, monsieur. Le jury. Allez, monsieur Alain Gabas. On les applaudit. Michel Tolzan, Elisabeth Brunet, Mireille Durand, Bernadette Debrès, Céline Boyer, Michel Béraud et David Nemes. Venez nous rejoindre. Maintenant, tu te mets contre Sylvie. Voilà. J'en profite pendant que le jury nous rejoint de remercier à nouveau la Chambre de commerce, c'est Danioski de Tarbes, le Parc des Expos, la Semaine des Pyrénées. Mettez-vous là à côté, voilà. La Dépêche du Midi, Lourdes Actu, la Nouvelle République des Pyrénées, Tarbes Info, 100% radio, fréquence loose, enfin toute la presse qui nous a bien épaulés pour trouver nos candidates. Le Crédit Agricole, Burger King et la mairie de Tarbes. Je crois qu'on peut applaudir tout ce beau monde comme il se doit. Et en plus, ceux qui t'accueillent ici au Parc des Expositions, oui, avec ça. Armel pour le Salon Senior. Oui, Armel. Armel, elle est où? Armel, elle est toujours dans l'ombre. Elle court partout. Armel. Merci, Armel. Et puis, bien sûr, Mathieu Casaban, le patron de la Paris Exposition. Il nous bien cette année, oui, super là, il travaille, hein, il paraît. Bah, voilà. Il paraît, c'est ce qu'il nous a dit. Hein. Vous savez, moi, les mecs, hein, des fois, ils disent pas la vérité. Ah et bon puis, ah, moi, j'en connais pas qui disent pas la vérité. Oui. Moi, t'en connais pas tout court. Ça y est. Et puis, toute son équipe oui. D'enfer. Alors, qu'est-ce qui se passe? Avant de proclamer les résultats, je vais peut-être vous passer la parole, non? Tant que vous êtes notre partenaire, vous direz peut-être un petit mot à nos super mamies avant de proclamer les résultats. On ne sait toujours pas qui a gagné. Hein. Non, et nous, on ne sait pas non plus. Hein. Alors, je voudrais dire une chose. Cette année, le salon monte en puissance, puisque ça fait déjà la 7e année que nous sommes partenaires de ce salon. Et nous sommes très contents de renouveler notre partenariat. Et je discutais tout à l'heure avec Fabienne, qui me disait « Et l'année prochaine ?» Ben, l'année prochaine, on va renouveler, c'est clair. Voilà. Non, mais vous avez raison, Président. C'est vraiment un beau salon. Là, j'ai fait tous les stands, je me suis renseignée. C'est vraiment magnifique et ça démontre encore une fois l'inventivité, le dynamisme et la créativité du département. Ouais. Alors, je voudrais féliciter les super mamies qui se sont présentées aussi. Parce qu'il faut énormément de courage pour monter sur scène. Donc, bravo. Et puis, longue vie à la super mamie qui sera élue. Voilà. Oui, et aux autres aussi, hein, longue vie. Hein. On ne va pas faire de détails. Je voudrais, moi, remercier Rose Paris Bateau, elle est où? Notre super mamie France 2018, qui est de chez vous, hein, qui est de Pau, qui avait gagné cette finale nationale. Merci, parce que tu as donné un sacré bon coup de main à toutes nos mamies depuis ce matin. Et également à Philippe Durand, je crois qu'il t'a beaucoup aidé. Je ne sais pas où il est, Philippe. Mais merci beaucoup. Merci, parce que les mamies, il faut les driver un petit peu derrière, les rassurer et puis les guider. Alors moi, avant de proclamer les résultats aussi, mesdames, je voulais vous remercier. Vous remercier d'abord pour votre confiance, parce que ce n'est pas évident. De participer à ce concours parce qu'il y a plein de super mamies là, qui sont présentes mais qui n'osent pas monter sur scène. Vous avez osé le faire et en même temps un grand merci et un grand bravo à tous ces enfants et ces petits-enfants parce que non seulement ils vous ont fait de magnifiques cadeaux en vous faisant tous ces beaux hommages, mais à nous aussi, Daniel, ils nous ont fait ces beaux cadeaux. Vraiment, et avec tous ces hommages et avec l'incursion qu'on a brièvement dans la vie des super mamies et dans leur famille, on découvre que vraiment, il y a l'humain avec ses problèmes et avec sa façon de rebondir. Et je dis bravo et vive la vie. Super. Alors,
Je ne veux pas de déception hein, dans les yeux des enfants, des petits-enfants, ni de larmes, parce que si votre mamie elle est sur scène aujourd'hui, c'est parce que c'est aussi, c'est une super mamie, parce qu'elle n'a pas que 6 dans le département. Hein. Déjà, elles ont passé les présélections. Hein. Alors, chez nous, il n'y a pas de dernière ni d'avant-dernière, parce qu'on n'est pas là pour ça. Il y a donc 6 candidates, il va y avoir 4 super mamies ex-aequo, et après, il en restera 2. Parmi ces 2, forcément, il y en a une qui va repartir avec cette écharpe, et l'autre va être sa première suppléante. Alors chez les Miss, on dit dauphine, hein, je crois, oui, c'est ça. Nous, on parle de suppléante. Oui, suppléante. Quel est le rôle de la suppléante? Oui. Ah, alors, la super mamie qui est élue aujourd'hui doit vous représenter à l'élection de la super mamie France fin novembre prochain. Sauf que pour venir en finale, il faut qu'elle puisse venir au minima avec un de ses enfants et un de ses petits-enfants à Nice. Si jamais les conditions ne sont pas réunies pour qu'ils viennent au minima à 3, eh bien c'est la première suppléante qui reprend l'écharpe et le titre et qui ira en finale. Si bien entendu, elle peut elle aussi s'entourer de ses enfants et de ses petits-enfants. Voilà. Ok ? On a bien compris tout ça ? Bon. Alors maintenant, avant de proclamer les résultats, vous savez, mesdames, vous êtes très gâtées. Alors je vais parler des cadeaux. Et après, on proclamera les résultats. Alors, vous repartirez toutes avec un produit Géwen La Source. Super. Un bouquet de fleurs offert par le Parc des Expos. Un sac de voyage offert par Art Accueil Voyage. Pour partir vous promener. Les 4 ex-aequo auront en plus une paire de boucles d'oreilles Willaert M. Christine. La super mamie et sa suppléante, elles auront en plus un foulard Olivier Stoll, un pain d'épices miel pariné, et la super mamie, elle aura en plus une tourte à la Nice du tourteau de mamie. Je crois qu'on peut les applaudir tous très fort. Ben oui, parce qu'ils ne sont pas obligés, tous ces exposants, de faire de beaux cadeaux comme ça. Mais merci en tous les cas pour nos super mamies, parce que vous l'avez bien compris, elles le valent bien. Alors, on va commencer par proclamer les 4 ex-aequo. Vous êtes prêts? Mesdames, quand je vais donner vos prénoms, je vous demanderai de bien vouloir vous mettre sur le devant de la scène et on vous remettra vos bouquets de fleurs et cadeaux. Alors c'est parti. Les 4 super mamies ex-aequo sont... Sylvie, Nicole, Janine et Anna-Maria sur le devant de la scène et sous vos applaudissements. Et on y va. Arrive, personne n'a démérité aujourd'hui, vous l'avez bien compris, et je pars du principe qu'élu ou pas, les plus beaux cadeaux aujourd'hui, eh bien ça a été ces beaux messages de vos enfants. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous n'êtes pas déçus? Je suis ravie. Si vous êtes ravie, nous aussi. Hein. Vous avez passé une journée délicieuse, et bien nous aussi on est ravis de vous avoir eu avec nous. Un petit mot? Merci. Magnifique. Merci à vous aussi et bravo encore. Je vous invite, si vous le voulez bien, à revenir sur le côté de la scène parce que là, il m'en reste 2. Allez, venez avec moi. Parmi ces 2, eh bien, il y a la super mamie et sa première suppléante. Vous l'avez bien compris. Alors, 3-4, c'est parti. Alors, il y a Monique et il y a Françoise. Allez, la super mamie. 2023 et... Ce que je peux vous dire, c'est qu'elle a été élue à l'unanimité du vote du jury et du public et c'est... Eh bien c'est Monique. Bravo François aussi. Bravo. Et bravo à toutes. Hein. Bravo à la première super. Et la mamie Monique, d'abord, il y avait des pancartes. Hein. On va faire un petit mot quand même. Je suis très émue.
parce que c'est quelque chose que je ne m'y attendais pas, c'est magique. Et puis c'est tout l'amour de mes enfants, de mes petits-enfants et de mes petits-enfants adoptifs de mon club. Et puis merci quand même aussi, parce que le club il existe grâce à la mairie de Tarbes qui nous fait cette installation. Voilà, et c'est que du bonheur. Et je suis très 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 heureuse. Eh ben, nous aussi, on est très 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 contents pour vous. Ne bougez pas, c'est pas fini. Je vous rends votre bouquet de fleurs. Parce que on a toujours l'habitude de se quitter en faisant la fête pour toutes nos super mamies. Vous vous rappelez ceux qui sont déjà venus les années d'avant? Alors habituellement, on met un CD et puis on y va comme ça. Mais non, on a la chance d'avoir un chanteur avec nous. Vous vous rappelez? Je vous ai dit David Nemetz, qui est le sosie officiel de Gilbert Montagnier, mais également un chanteur, interprète, et qui vient régulièrement à nos élections de Super Mamie pour nous mettre le feu. Alors là, comme il est là, il nous a fait la surprise de venir, je dis, on ne peut pas faire le final sans toi. Il va falloir que tu mettes le feu au parc des expos de Tarbes, après on l'éteindra, hein. Mais tous en même temps, vous savez ce qu'on va faire, on va bouger, on va danser, levez-vous un petit peu, ça vous dit ou pas? Ça va faire du bien de dégourdir un peu ces gambettes, non? Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Gabas? Hein? Si, dérangé. C'est bon. Alors qu'est-ce qu'on va faire là? Alors ça fait d'abord. Avancez-vous, mesdames. Avant de commencer à chanter, Fabienne, ça fait drôle d'être sur une scène à Tarbes. Je vais te dire pourquoi. Parce que j'ai des souches dans l'autre Pyrénées. Voilà, notamment dans une très belle région qui s'appelle le Madiran. Voilà, je suis du coin madiranais. Et la première fois que je suis montré sur scène, c'est à Tarbes. C'est à Tarbes lors d'un concours de chant. Voilà, et après. Parti de là. Mais... La grande aventure. Hein, voilà. Donc on va finir. Qu'est-ce qu'on va en finir? Vous êtes prêts à chanter dans ce monde? On va revenir dans les tubes des années 80. Ouh, hein? D'accord. Pierre. Hein? On va aller chanter avec moi les années 80. Est-ce que vous êtes prêts à faire la fête avec nous? On y va? Oui. La musique. Allez, c'est parti. Musique. Ça va déménager. Hein. Allez, debout, tout le monde. Allez, on y va là. Très bien. Très bien. Il suffira d'un signe. Comment? Un matin. Ah bon? Et après? Un matin tout tranquille. Et serein. Quelque chose d'infime. Et faire à nos chevilles, loin, bien loin. Tu rimes et sois tranquille.